Et salut à tous, c'est GameWolf pour une nouvelle vidéo sur Don't Even Think. Donc voilà, je voulais faire une petite vidéo dessus parce que il est quand même assez cool. Voilà, il est quand même assez cool les gars. Et j'ai acheté le pass de combat. Voilà, je suis niveau 100. J'ai geeké comme un porc ce jeu. Voilà, je suis niveau 100. Ça c'est le pass gratuit, ça c'est le pass de combat payant. Voilà. Yanis qui fait son malin parce que il a le pass de combat sur Fortnite. Bah moi j'ai le pass de combat de ce jeu. Comme ça on est égalité Yanis. Je vous mettrai la chaîne de Yanis dans la description. Si vous le voulez. Voilà. J'ai des tenues légendaires. En vrai ils ont abusé sur les tenues légendaires. Parce que voir que du légendaire les gars. La journée, c'est chaud. On va faire une petite game pour vous présenter ce petit jeu. Ce petit jeu. Ouais, ça c'est mon loup-garou, les gars. C'est mon skin de loup-garou. En fait, lui, fallait être chanceux pour l'avoir. Parce que les gars, c'est dans les Legendary Box. Ça, c'est la box que tu peux payer avec ton argent. Les pièces que tu gagnes. Les pièces d'argent que tu gagnes dans le jeu. Et là, c'est les... Genre ça, tu peux débloquer dans les caisses normales, mais tu dois payer pour les avoir. Moi, comme je suis dans le pass de combat, j'en ai gagné une quarantaine de pièces, et j'ai eu ça. Au dernier truc, en plus, les gars. Tout ce qui est là, j'ai déjà. Hein. Tout ce qui est là, j'ai déjà. À part ça, ça, je l'ai pas. Ah si, je l'ai, mais faut acheter la Werecat. En fait, vous voulez... en fait, il y a deux sortes de loups-garous. Je vais vous expliquer. Il y a le chat. Ouais, une chat loup-garou. Voilà, j'ai des skins de chat, mais il faut que j'achète pour l'avoir, en fait, tu vois. Ouais, ça, c'est une genre de masse. En fait, ça au début, j'ai... on va faire une partie humain, d'abord. On se retrouve dans l'avion. À tout de suite. Re, les amis. Donc, voilà, c'est pour vous dire que il y aura peut-être des petits soucis à la vidéo. Genre, c'est le jeu, hein. C'est pas ma vidéo, les gars, c'est le jeu. En fait, les gars, il y a un petit bug. Voilà. Saison 2, hein. Fortnite aussi, il y a eu des bugs à la saison 2, saison 1. Bref, là c'est le commencement d'un petit jeu indé. Il est pas payant, il est gratos, c'est un free to play. Mais c'est quand même assez cool de faire un petit free to play Battle Royale. Ouais, si vous avez pas compris, les gars, c'est un petit Battle Royale. Etc. Alors, les gars, on va se passer dans l'avion ce petit truc. A tout de suite! Les amis, donc voilà, on est dans l'avion. Voilà, les gars, c'est un petit bug. Hein. Bref, les gars, vous voyez mes pings, hein, voilà, c'est pas ma connexion, les gars. C'est vrai, c'est le jeu qui a les petits soucis, etc. Bref, on n'est pas venu pour la qualité, on est venu pour le gameplay. Ah ouais, mais s'il y a pas de la qualité, il n'y a pas de gameplay. Alors, je vous invite à claquer sur le pouce bleu. Oui, à claquer. Bref. Donc voilà, on est parti. Oui, j'ai des petits... voilà. Fusée, hein, fusée à réaction verte. Voilà, moi j'étais le plus bas. Voilà, mon parachute préféré avec un loup. En plus, il est marqué Wolf, Back Wolf. Ça veut dire qu'il est marqué Sort Wolf, sortie Wolf. Bref, Werewolf machin. Ça veut dire qu'un loup-garou s'est transformé. Werewolf machin. Ouais, le jeu est en anglais, bien sûr. Hein. Accès anticipé. Non, c'est pas une accès, c'est pas une, c'est pas une accès anticipé, mais c'est quand même, genre il y a quand même des petits bugs, hein. Bref, il y a des petits bugs par-ci par-là. Là, je viens de me téléporter. Ouais, par contre les gars, il y a des petits freezes pendant la vidéo, c'est normal, hein. C'est normal, c'est le jeu, comme je vous ai dit tout à l'heure. Oh yes, on se fait plaisir. Oui. Fusil à pompe mauve. Il y a des loups-garous aussi, les gars. Si vous avez... J'ai déjà fait un live dessus. Vous pouvez aller cliquer sur le live pour aller voir le live. Je mettrai peut-être dans la description le live. Je mettrai dans la description le petit live. Etc. etc. Si vous voulez aller voir. Hein. Voilà, c'est un petit jeu
sympatoche, c'est un petit jeu sympatoche. Ouais les gars, si vous entendez mon micro, c'est parce que là en fait j'essaie de trouver un emplacement de mon micro pour éviter qu'il y a des petits genres de ma PlayStation, parce que ma PlayStation fait du bruit quand même. Elle est nouvelle, hein, elle est nouvelle. Normalement il y a pas beaucoup de poussière dans ma PlayStation parce qu'elle surchauffe pas, elle fait pas genre un ventilateur pour l'instant. J'ai bien dit pour l'instant. J'ai bien dit pour l'instant. Je vais peut-être me faire croquer par un loup-garou. Ah non, les gars, il reste un loup-garou. Un fucking loup-garou. Et oui, j'ai une troisième arme. Il s'appelle le pistolet. Et si je trouve des... Merde, j'ai failli faire tomber ma manette. Et si je trouve des balles de pistolet, ça fait très très mal au loup-garou. Parce que c'est des balles en argent. Si j'ai compris la logique. Si on a compris la logique. Ouais, les feux de camp, mais non, ça sert plus à rien. Pendant la saison 1. En fait, le jeu là, il était pas en France, il était pas en Belgique, ou en France, ou en Europe quoi. Il était pas en Europe avant que le jeu soit sorti sur PS4. Avant, il était sur PC, mais en Amérique. On pouvait pas le télécharger sur PC d'ici. Ouais, il y a des petites pommes, hein, il y a des fruits, hein. Les flèches, mes touches avec les flèches, c'est tout ce qui est manger, vie, c'est pour récupérer sa vie, etc. Et le petit. Ouais, c'est une grenade, hein. Il y a des grenades. En fait, c'est un genre de PUBG. En fait, c'est à peu près les graphismes de H1Z1, mais avec des loups-garous. Voilà, c'est un petit jeu, hein. Par-ci, par-loup. Bon les gars, je vais faire quelques coupures. Hein. On va se retrouver en combat pour vous montrer ça ressemble à quoi un combat. Donc voilà. Je vais même me prendre une balle de sniper. Ah, il fait mal! Il fait mal! Aïe aïe aïe, il fait mal l'enfoiré! Cacaculotte! Ouais, par contre, les gars, pour viser, c'est très chaud. C'est chaud du roulette. Oh le fils de. Oh le fils de. Charal! Donc voilà, c'était un petit gameplay de Don't Eventing. Cordialement, la direction. Bien sûr, les gars, je ferai la suite. Je ferai la suite du côté de loup-garou. S'il y a minimum 10 pouces bleus. À 10 pouces bleus, je fais la suite du côté du petit loup-garou. Voilà, je fais. Le petit loup-garou. Là, les gars, je vais terminer cette petite vidéo en beauté avec le petit pouce bleu et le petit partage, si tu veux bien. Mettez aussi des commentaires, je vais bientôt faire une FAQ quand j'aurai 200 abonnés. Et là, pour l'instant, et... Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. N'oubliez pas le pouce bleu, n'oubliez pas le partage, le petit commentaire, le petit...